Faut-il aller voir, oui ou non, en salle des profs? Bienvenue chez Foxtrot Film, et en moins d'une minute, je vous aide à vous décider. Dans un lycée allemand, nous suivons une professeure qui est rapidement mêlée à des histoires de vol dans sa classe, mais également de la part de ses collègues. Elle va rapidement être dépassée par les événements et va devoir se dépatouiller entre ce qui est nécessaire, éthique, obligatoire. Ce qu'il y a de plus intéressant dans ce film, c'est le parallèle que l'on peut faire entre cet établissement scolaire et la société en général. Comment on interprète certains événements? Comment lutte-t-on contre eux? Quelles en sont les limites? Il y a deux choses qui m'ont néanmoins frustré dans ce film. Faut arrêter tout de suite, de manière immédiate et définitive, de faire des films en 4 tiers avec trop de grains à ajouter en post-prod. Ce n'est pas nécessaire, vous dégradez simplement l'esthétique de votre film et ça n'a aucune valeur ajoutée. Dans un second temps, le personnage principal me frustre au plus haut point. On voit clairement qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais qu'en même temps, elle ne le dit jamais. Ni auprès de ses collègues, ni auprès des parents qui lui demandent des explications. Jamais. Et c'est horrible de vivre une demi-heure et demie de frustration. Malgré ces deux points, il a tout d'un grand film. Alors pour moi, c'est un oui. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre avis. Et on se retrouve demain pour oui ou non sur Anatomie d'une chute.